pour pas trop lui en demander. Ah, ça va être intéressant, les gars. J'ai envie de... Ah, j'ai bien envie de savoir comment ça va se passer. Waouh! Regardez! Waouh! Waouh! Et là, on va même pouvoir se ressourcer. On va pouvoir boire la fontaine de Juvence! Waouh! Ah, j'ai l'impression que c'est moi qui ai une TV un peu inférieure. Waouh! Alors, par contre, le problème des orques, c'est que vous savez pas quoi faire de votre argent. Je trouve qu'on a vite de l'argent, mais on sait pas quoi en faire comparé aux autres équipes, parce que l'équipe des orques, en fait, vous avez déjà toute votre équipe. Elle est déjà complète. Du coup, bah, vous savez jamais trop quoi en faire. Attendez, on va juste regarder s'il n'y a pas de... Non, c'est bon. Il y a quoi, d'ailleurs? Ouh là 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 là. Oh là là. Oh, attention, il a fait un match, il a marqué un but. Donc il a peut-être gagné son match. Il a peut-être gagné 1-0. Il a peut-être gagné son 1-0, son le match. Putain, mais il est beau. Alors, est-ce qu'il y a des conditions de terrain? J'espère que non. Oula, par contre ça, oula. Bah, autant que j'ai dit que c'est beau, mais là, le cercle, waouh. Alors, voyons voir. Non, c'est bon, c'est les trucs de base, ouais. Ok. Ouais, je pense que là, en fait, l'erreur, je pense qu'ils auraient peut-être dû faire une marque au centre, non? Ou peut-être que c'est une question d'habitude? Ah, ça pique les yeux, quand même. Ah, ça pique les yeux. Je pense que les marques devraient être peut-être en noir, du coup. Parce qu'en fait, on a du mal. Ah, ça aussi, d'ailleurs, ils devraient faire peut-être une option pour mettre soit en noir, soit en... Alors, je vous avoue, ça me pique un petit peu les yeux, quand même. mes yeux saignent un petit peu, quand même. Hein. Vous en pensez quoi, le chat? Je vais faire un petit sondage. Vous pensez quoi du terrain? Ouais, oui, cool. Au secours, mes yeux. Osef. Salut, Lady Lefay, salut à toi. On joue avec le magnifique terrain des hommes lézards. Petit souci quand même, c'est que... Ah ouais, je me demande si pour le coup j'ai peut-être pas joué avec la grille exceptionnellement. Hey Sensei! Toi aussi Sensei, il faut qu'on te fasse ta carte! Ta carte de coach! Alors regardez, où est-ce qu'il faut lancer le ballon? En fait, je fais juste un rapport aux croix rouges qui sont en haut. Là, je sais qu'il faut que je me mette là. J'en ai aucune idée sinon, regardez. Hop, vous avez la croix. Et c'est parti! Oh! Et là, le ballon, il sort ou pas? La zone de TD, elle est où? Elle est là. Ouais, elle est là. La zone TD, ça doit être ça. Ça, c'est dehors, non? Ah, quoique, c'est peut-être la zone de TD, ça. Je sais pas, en fait. Je sais pas où quelle est la zone de TD. Ok, les gars, let's go. Alors, 4, ça me permet, du coup, de découper lui, là-bas, là. Alors... 1... On pourrait se faire aussi ça. Ah, remarque, il a pas beaucoup d'hommes lézards. Mais il risque de récupérer peut-être le ballon. 1, 2. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire sans... Non, mais il faut valider. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà, ok. Ah, j'aimerais bien me faire lui, quand même. Enfin, je voulais blitzer lui, mais je suis pas sûr que ce soit très convaincant. Attendez. Non, j'ai une idée, je sais ce que je vais faire. Voilà. J'aurais même pu le coller lui, mais j'ai peur qu'il... jamais... Oh, la garde est... Non, j'ai rien dit. Et là, Babitz. Oh, les jet dés, ils sont dorés! On savait pas! Ils sont dorés! Quelle couleur incroyable! Bon, d'accord, c'est un peu bizarre. Attends, elle est où la zone d'embut? Elle est là. Hein.
Non, on va rester comme ça, on va le laisser. Il va pouvoir en prendre de vitesse, mais... Ah oui, vous trouvez cool quand même? Mais juste peut-être un petit peu dur à lire. Et... Parce qu'en fait, là, je sais même pas où est-ce qu'il est, la zone d'embut. On va compter. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc c'est bien ça. C'est bien le truc rouge là-bas. Bon. Allez, on va inspecter maintenant les contours. Oh, il est beau quand même. Bon, après, c'est un peu bizarre d'avoir de la savane dans un stade normal. Regardez. Oh, ça donne envie de me baigner là. Alors, venez, on arrête le match pour aller se prendre un peu l'eau. Oh, je voudrais trop une petite animation là que je puisse sélectionner mon joueur et aller là dans l'eau. Et faire un petit plouf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, le ballon est bien tombé là-bas. Ouais, pas mal les gars. Bon, je trouve quand même que ça manque un petit peu de. Non? C'est bon, c'est simple, ça va, c'est bien. C'est bien. J'ai mis cool, mais avec une certaine couleur d'équipe, les zones vertes peuvent être cachées des joueurs. Les rayons au centre me perturbent un peu. Le rayon? Ah oui, le rayon. Oui, moi aussi, le rayon me perturbe aussi un peu, ouais. En fait, il y a... Ah ouais, quand tu recules, ça peut aller, mais... Ouais, je pense juste qu'ils auraient dû démarquer au moins déjà la ligne de centre, tu vois. Au moins la ligne de centre. Ouais. Mais après, c'est sûr que ça va gâcher un peu le terrain, peut-être, mais... Ouais. Tu sais, je vais remettre un peu plus de touffe d'herbe, vous voyez. Pour bien... Comme ça, vous trichez sans faire des trucs... Ouais, une petite touffe d'herbe, vous voyez. Plouf. Mais non. Oh, y a plus de respect, je me fais taper par un skins. Attention quand même, hein. Il a pris tous les... Ouais, il a pris tous les jets de blocage des gens. Peut-être un bon niveau, je sais pas. Attention quand même. Donc là, le bord, il est là. Hein. Ouais. Ok. Là, c'est la limite. Ok, les gens. Bon, bah, ça laisse plus beaucoup de joueurs pour pouvoir progresser. Progresser. Du coup, je me méfie un peu. Là, j'aurais pu être agressif, mais du coup, ça me fait un peu plus peur. On est bien d'accord que le bord, il est là. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Bon, ça, c'est sûr, on va le prendre. Oh, avec mes beaux GD, incroyable. Bon, en fait, non, les gars, ils sont un peu bizarres, les GD, je trouve. Ils sont un peu bizarres, on va pas se mentir. Sinon, il y a un autre truc assez fort, je pense. On pourrait, en fait, tabasser lui. Mais il faut mettre une garde. Non, on peut pas. Il faudrait blitzer. Si tu. Si, si, si. Si tu blitzes. Ouais. En fait, vous voyez. Une garde avec quelqu'un. Non, ça marche pas. Bon. On va le garder sous moi, je pense. Voilà, on se venge! Œil pour œil, dent pour dent. Il fallait pas nous chercher. Attends, je vais vous lire. J'ai plus de temps? Non, ça va. En fait, on pourrait aussi tabasser lui, mais de mettre la garde sous le croxy est une mauvaise idée. Il pourrait du coup me sécher. Bon, allez, on va quand même coller tout le monde. Attendez, mais il y a l'espace du coup sur le côté. Ah, mais oui. Bah alors. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ah, mais oui, il y a de l'espace à côté.
de l'espace. Attendez, ça change un peu tout ça. Bloquer ta garde, quelque chose de pas super intéressant. Alors, c'est pas ton projet. Ok, let's go les gars. Allez, on se décide parce que là on rêve. Arrête des mages. Allez hop, on s'infiltre. On s'infiltre. Là, il faudrait bloquer les deux. On va prendre le risque. Allez, on met de l'agressivité, nous sommes Bamdork, nous sommes là pour coller. T'as pas pris le troll? Non, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, je suis pauvre. Je suis un orc qui est pauvre, non. On n'arrive pas encore à vivre du pillage pour le moment. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Il faut développer la vague. Time to give up! Time to wag! Là, l'attaque directe. Parce qu'il veut libérer un Saurus. Il veut en libérer un, ça va fonctionner du coup. Allez, tenez le coup. Voilà. Bon, du coup, il va pouvoir tège lui, le danger. Libéré, délivré, je ne serai plus nain. Je vais te blitzer dans la gueule. Ah oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a rencontré quelqu'un qui avait des Saurus qui étaient tout bleus. Mais sauf qu'ils avaient la même couleur que ça. Et en fait, le mieux, c'est de mettre un léger dégradé, vous voyez, pour donner un petit style. Et là, je trouve que c'est sympa, ouais. Enfin, après, c'est pas mes jetons. Oh. Mais non. Mais non, le joueur français qui me surprend! Technique audacieuse, mais ça va fonctionner! Oh putain, en fait, ouais, no joke, là, je suis dans la merde du coup, là. Bah non, ça va, en fait. Enfin, on est prisonniers, hein, quoi qu'il arrive, mais... Oh, les pauvres. Il tape fort, hein. Il tape fort pour le moment, mais là c'est bon, regardez, du coup il capture tout le monde là. Il est bien, hein. Il est très bien là, l'adversaire. Pas mal. Mais non, mais les armures, please quoi. Putain, pourquoi jouer des orques? J'aurais dû rester sur mes scaven, hein. Les scaven, ça a beaucoup plus d'armure, hein. Oh, c'est chaud ce qu'il vient de faire là. Là c'est pratiquement le but assuré du coup. Ce qu'il vient de faire. Putain, je suis deg. Fuck. Saloperie. Ah. Oula. Oula. Prise de risque du joueur français. Ça devrait aller, c'est juste que là c'est très très mal ce qui s'est passé, surtout que j'ai déjà un chaos du coup. Je suis en fait un joueur puissant, mais là du coup il a calmé un peu la donne. J'avoue que je sais pas trop en quoi penser des jets de DE doré là. C'est cool mais en même temps c'est bizarre. Voilà, en fait il y a ça qui est fort avec un petit foncé. Le problème, c'est qu'ensuite, il va maîtriser parfaitement par où il va attaquer. Oh, fait chier ces deux armures qui sont passées là. Ça m'aurait permis de contrôler un peu des choses. Là, je n'ai plus de contrôle. Le destin n'est plus entre mes mains. Allez, go les gars.
Que la chance soit avec moi. Yes! Allez, le ballon vers moi. Vers moi. Oui! Yes! Alors peut-être! Alors peut-être! Ils sont marrants ces GD, regardez. Ah ouais, j'aime l'or. Hein. Je crois que ils aiment bien l'or, les. Où tu mets les acailles en blanc et tu les nommes les Schtroumpfs. Et il y a quoi comme aléatoire des terrains sur cette map? Magnifique les dés, j'aime trop. Oh non, il n'y a pas d'aléatoire. Non mais ouais. Mais c'est pas possible, il me passe toutes les armures. C'est incroyable. Bon après, voilà, au moins on prend pas de KO, mais quand même quoi. Et pourquoi il y a un Saurus d'or? Oui, il a fait. Ah ouais. J'ai jamais vu ça. Hein. Mais pourquoi il y a un... Ouais, j'ai compris, hein, ça joue sans moi, quoi. Les pauvres... Il doit être saoulé. Allez, je me sur les meilleurs pour mon match de promotion. C'est pour ça que je gagnais quand même le combat physique, alors que je me fais casser la gueule, putain, regardez, hein. J'ai regardé, ça fait un cercle, regardez. Oh! 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 Les dés en gold, ils ont parlé. Regardez les gars, ça fait un cercle, regardez bien. Vous voyez, on dirait que c'est une espèce de truc sacrificiel. Et du coup, chaque joueur est dans chaque petite icône et on va se... Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? C'est nimp. Il avait fait un bon début de match, mais là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Regardez comme c'est trop beau, c'est trop mignon. Attends, on investit à fond, parce que moi je me connais. Si on rate... En fait j'ai envie de mettre un coup de 3D, mais si je rate le ramassage, je me retrouve dans la sauce. Il faut que je joue safe, mais ça c'est un truc que je ne connais pas. 1, 2, 3, 4, 5. On pourra revenir en arrière. Ah, il faut que je joue safe. Hein. Osef de faire des 3D là. Ouais, Osef des 3D les gens. On va faire une espèce de barrière minimum. Voilà. Osef du 3D de toute façon. Regardez, je vais percer tout de suite avec mes golden dés. Voilà, mes golden. Regardez, je mets une gold. Voilà, la golden. Bam. C'est normal les gars, c'est du gold. Hein. C'est du premium, hein, ça pardonne pas. C'est du premium plus. Je pourrais me la mettre à 2D. On y va. Genre, je sais pas où est-ce qu'on va aller parce que. Il pourrait me la mettre très facilement à 3D là. C'est juste que lui, il est un peu compliqué à aller chercher. Ah, c'est que du 2D les gens. Franchement, il y a peu de chances quand même qu'il y arrive. Hein. Ah, il peut me la mettre. T'as vu tous les skins? Si je loue, j'oublie pas que. Pas, bah, c'est de ta faute, hein. En même temps, les lézards sont basés sur les Aztèques qui aiment bien les sacrifices, donc ça reste logique. Il y a un skin... ouais, je l'ai vu, les gars. Oui, c'est vous parlez de lui, là. Oui, c'est je l'ai vu. Mais en fait, le problème, c'est que là, il a trop de skins dans le coin et je ne veux pas trop rester là. Ensuite, il y a lui qui est libre. Parce qu'il m'a tabassé tous mes joueurs en position sacrificielle, là. Et j'ai quand même peur de l'esquive, mais ça devrait pas fonctionner. Donc je pense que je vais faire ça... Parce que je pourrais rester ici, mais il y a trop de skins dans le coin, ça va me fouetter les fesses. On y va les gars, on y va. On verra bien Osef. Regardez ce terrain. Putain, moi je serais le spectateur, j'aurais déjà fait, j'aurais plongé dans l'eau. Regardez là, oh là là, vous mettez ici là. Regardez, vous supportez le match depuis ici là, l'espèce de petit chaudron là, rempli d'eau là. Oh, trop stylé, jacuzzi quoi.
Bon, on verra les gens. Pff, je suis parti en furie là, on verra bien. On verra bien. Alors, passant le problème, c'est que je me suis fait pas mal taper quand même. Il y a un skis à droite aussi, il palpite sur un dé. Ouais, je sais. Eh bien, je le laisse, les gars. Quand je disais que j'avais un doute sur les zones vertes. C'est vrai que si tu mets le joueur en vert, il y a peut-être moyen que ce soit un peu plus camouflé. Bon, il est quand même cool le terrain, les gars. Il est grave cool quand même, il est beau. C'est juste qu'il faut y s'habituer et avoir des points de repère. Des points de repère un peu différents, je pense. Putain, mais les gars, c'est pas possible. Il me défonce tout, quoi. Putain. Bon, j'arrive pas à full, c'est abusé. Ah ouais, c'est fou, ça. Bon, j'ai l'impression quand même que leur système de recherche a l'air quand même d'être assez restrictif. Enfin, tu sais, très... Ouais, bon, il va faire le 1D. Classique. Alors, ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer pour moi. Le pire, ça serait bien sûr qu'ils flash et qu'ensuite, ils prennent le ballon. Et ça, c'est cool. C'est pas possible! Je vais avoir des problèmes, les gens. Parce que même si je marque, en fait, là, je vais m'en trouver dans une position que. Putain, fais chier, quoi. Allez, on prend. Il faut jouer à long terme, les gens. Il faut jouer à long terme. Mais c'est vrai que c'est fou, quoi. Bon, après, oui, je laisse des blocs pour tenir les joueurs. Mais il me démonte, hein. Il me démonte, hein. Pas qu'un peu, hein. Salut, Fafava. Ouais, restrictif. Oh putain, j'arrive pas à lire. Restrictif. Ah, merci, les gars. Restrictif. J'ai des problèmes de... C'est pas pour rien que j'écris mal, hein, les gars. Bon, bah, élu du chaos. Ah ouais, c'est cool, ça, les gars. Élu du chaos, c'est cool, hein. Restrictif, tu vois, c'est parce qu'en fait je l'ai pas en tête. Et du coup, quand je l'ai pas en tête, et ben je. Putain, mais c'est chaud les gens là! Ouais, c'était sûr, je m'y attendais qu'il allait coller. C'est quand même chaud là, hein. On fait quoi? On tente le tout pour le tout? Parce que là, je me sens pas bien. Hein. J'ai commencé à avoir trop de problèmes. Oh, fais chier. Ah, j'aime pas perdre comme ça, les gens, je vous jure. C'est un truc qui me saoule, en fait. De perdre un match juste parce qu'en fait, l'adversaire a eu trop de... Ah, ça me saoule. C'est ce qu'on appelle un peu des non-matchs, mais... Oh, ça craint. Merde. Merde, j'ai fait un... Oh, je vais aller marquer les gens. Oh, voilà. C'est les gold dés, les gars. C'est les dés en gold. Allez, le premier touchdown sur cette map.
Oh là, ça me rafraîchit toute cette eau. Ça me rafraîchit, regardez. Ah. Ah, ok. Mes KO ne reviennent pas. Bon. Il y a un. C'est pas grave, il y a match nul, mais au moins. On gagne à zéro. J'essaie de me rassurer comme je peux, les gens. J'essaie de me rassurer comme je peux. Il y a un zéro, bravo. Alors, le problème, c'est que du coup, il va ramener du coup son souris qu'il avait tout à l'heure laissé en touche. Ah, quel cauchemar. C'est déjà habitué au terrain. Putain, c'est fait démonter, quoi. Bon, on l'a compris, les gars. On va aller chercher le 12e joueur, là. C'est pas normal, ça. Alors, vous disiez quoi? Ouf, 100 BG et 3-4 de force. Oh, le salaud. Il a pris le mout. Il a pas honte. Focus-le. Je voudrais le résumer comme avant les dés, parce que il y a des fois, hein, ne fais pas trop tourner la caméra. On dirait que le disque tourne. attendez, il faut choisir les croix, c'est bon, regardez, en plein dans le milieu, vous avez vu, sans même, je suis assez fort, hein, vous avez vu. Allez, j'espère qu'on va pas se faire sacrifier comme tout à l'heure, là, oh putain, en plus il a le ballon. Parce que tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que tous mes joueurs étaient sur un des trucs, là, on s'est fait sacrifier, du coup, sur le totem. Attends, on va tourner, donc tu dis quand tu tournes, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est fou. Ah bah voilà, faut que c'est le plateau qui tourne et pas eux. Hop là. D'ailleurs, ce sont des vrais logos, les gens, ça. Hein. Ça veut dire des choses. Alors ça veut dire... Ne te prends pas la tête. Crie pas sur ton voisin. Car de toute façon... Tout va aller bien. Vous voyez, ça veut dire je suis pas d'humeur. Allez, on en a marre de ces Saurus là. Maintenant les sabures à partir de maintenant ne passent plus. Elles ne passent plus. Attendez les gars, on manquait d'argent, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Regardez ce qu'il y a au sol là. C'est pas des gros bijoux ça? A votre avis, ça se revend combien? Attendez, je suis sûr qu'il y a moyen de les revendre. Hein. C'est bon les gars, on va pouvoir s'acheter un troll. C'est du toc. Bon, vous savez ce qu'on doit dire à ce moment-là. Hein. Il faut rester focus. Il me reste combien de joueurs de valide là? Il me reste 4 joueurs, c'est bien. 4 joueurs, ça va franchement. Honnêtement, ça va. Je crois les gars, ça va. Bon, c'est pas grave, on tient quand même le... Pour le moment, on l'a fait 1-1, c'est bien. Ah, le danger, ça va être l'attaque. Ça va être compliqué, du coup, vu qu'on a perdu énormément de gens. Oh putain, j'avais oublié lui. Ouais, elles sont tranquilles là. Quel enfoiré. Arlette de Movit, Movit. Arlette de Movit, Movit. Movit. Non. Allez, je le sous-estime. Je vais sous-estimer mon adversaire, on va voir ce que ça donne. Arlette, move it, move it. Arlette, move it, move it.
Il aurait pu marquer un peu plus les limites du terrain. Ouais. Il va faire une diagonale! Attention! La diagonale! Ouais, c'est pour ça que j'ai laissé mon joueur à une case du milieu, au cas où s'il me fait une diagonale. Je pourrais le rattraper. Avec ce seul joueur présent. Mais là, je peux rien faire, les gars. Je peux absolument rien faire. Ouais. La moins 3 qu'il m'a mis est fatale. Hein. Il m'a mis une moins 3, puis comme au démarrage, vous perdez 3 joueurs. Donc, c'est compliqué. Pas trop de choix. Oh, il est scandaleux, hein. Putain la vache. Oh! Chaque fois qu'il tape, il met une armure. Bon bah les gars, c'est pas grave, hein. Ça arrive, hein. Les non-matchs arrivent. Ça arrive. Un peu effrayant, mais bon. Bah ouais, ouais. Avec mes scavels ou même tout à l'heure les elfes noirs, j'ai pas ça, hein. Bon après, je suis un petit peu moins au corps à corps aussi, mais bon. Quand même, quoi. Ah, c'est pas grave, les gars, sans balèque. C'est le jeu. Donc là, effectivement, on va se prendre une grosse attaque, là. Là, il est obligé de marquer. Enfin, on va voir, mais normalement, il est obligé de marquer. Bon. Libéré. Oh, il va le faire, putain. Oh, il va pas le faire. Oh, la chatte. En fait, il aurait pu me mettre dehors. Il aurait pu m'attaquer par ici et taper là comme ça, et ensuite il aurait pu me mettre dehors. J'ai bien fait de le sous-estimer, ça a marché. Ouh! Parce qu'en fait là il peut être patient, il s'en fiche. Ou à moins qu'il veut marquer tout de suite. Non, ce serait de la folie. Magnus! Ce serait de la folie. On se fait démonter, hein. Je prends une douche, je mange et la liste des blessés s'allonge. Oui, mais regarde, le plus important, c'est qu'il y a un zéro. Ça, c'est ma spécialité, ça, les gars. J'arrive à marquer pendant le tour adverse, par contre, j'ai tout donné, hein. J'ai tout donné, là, je peux plus rien faire, là. On s'est fait un peu blesser, là. On a tout pris dans la tronche. Allez, allez, moi j'y crois. J'y crois qu'il va pas pouvoir tout le temps nous cartonner. Ah, on l'a pris cher. Il fera peut-être un mauvais jet de dé à un moment, hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Après, il y a ça, il y a. Non, même pas. Même ça, ça marche pas, ouais. Bon, après, j'ai le Golden Day, les gars. Donc, forcément. ça peut que fonctionner, par contre. Allez, partie Golden Day, allez. Ouais, le Golden Day du streamer riche. Oh là, le 6, vous avez vu, ça sort direct des 6, hein. C'est fatal. Hein. Putain de merde. Au secours, les gars, au secours. Putain. Bon, on verra, hein. Ça se trouve, j'ai peut-être récupéré tous mes KO. Hein. Avec de la chance. Il fera peut-être un mauvais GT, il a tendance à jouer le pro. Non, même pas. Allez, les deux au sol. Allez, les deux au sol. Les deux au sol, les deux au sol. Les deux au sol, les deux au sol. Les deux. Coup de queue.
Les deux au sol, les deux au sol, les deux au sol. Putain, vous savez ce que c'est ça? C'est parce qu'ils ont vu ça, et ils ont vu ça, c'est... Mes mecs là. Ils ont fait, non, non, mais nous on les blessés là, nous on les blessés, hein. On peut pas. Ils ont vu ça, ils veulent y aller. Putain, mais quelle bande de lâcheurs, quoi. On retiendra. Quelle bande de lâcheurs, quoi. Ouais, les deux seuls. Ah. Par contre, là, ça aurait été fatal, là. Hein. Les deux seuls maintenant, là. Ouais. Ouais, ouais, ça aurait été fatal. Les amuseurs ont mis des somnifères dans le jus d'orange. Eh ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ils sont arrivés en début de match, ils ont fait, oh les gars, si vous voulez, on a un peu de surplus. Ça vous dit de bouffer, puis forcément... voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils diraient qu'ils sont jetés dessus, vous les connaissez quoi. 1-0 pour moi pendant son tour d'attaque. Oui mais Nololo, est-ce que tu as, comme moi, est-ce que tu as autant de joueurs dehors? Alors que tu gagnes 1-0. Ça c'est la vraie question, ouais. Ah, Helmut est sorti, ouais. Je comprends. Helmut, il est pas aimé, hein. J'ai deux kawa, toi aussi, t'as dû sacrifier un peu des joueurs, quoi. Oui, il est tout rouge. Bon bah les gars... Hein? 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 Facile ça, hein? Easy. Et ensuite mon joueur sort dehors, mais au moins... Il partira avec panache. Ok? Allez, c'est parti, les gars. Les dégoldés. C'est les dégoldés, les gars. Donc, forcément, c'est beaucoup plus fort. Alors, peut-être. C'est parti, les gars. Il s'appelle Garrok l'ours. Appelle l'habitat. Garrok l'ours, alors peut-être. Vas-y. Montre qui tu es. Des 6. Et encore des 6. Et des 2 au sol. Bah! Voilà! Où est le ballon? Bleu! Bleu! Mais oui, mais c'est les décolletés, ça marche aussi de son côté! Il a fait que des dégoldés, ça a fonctionné du coup. Putain! Quelle porte de salaud! Mais franchement, vous avez vu ça ou quoi? Oui, oui, j'ai eu peur aussi, hein. J'ai vu le cerise. Là par contre, lui, ça a raté le jackpot. Hein. Bon, allez les gars, on va quand même essayer de faire quelque chose. Hein. Oh, les dégoldés, ça marche tout le temps! Bah ouais, attendez. C'est obligé de marquer les gens. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour défendre notre pauvre mammifère? Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour essayer de le défendre? Les dégoldés! Mais ils sont trop forts ces dés! Vous avez vu? Y'a que des 6! Y'a que des 6 les gars! Oh le salaud! Deux au sol et tu as un Saurus. Bon bah, Saurus que tu malheureusement. Mais ça aurait été marrant qu'un Saurus l'attrape. Ouais, car bon les gars. Oh non! Franchement, je pensais pas. Là, j'avoue, je l'ai sous-estimé. Bon, ça serait revenu au même, les gens. Parce qu'il m'aurait quand même tapé ici et ça aurait fonctionné. Hein. Oh. Oh, ça, là. Ah, j'ai cru qu'il voulait retaper. Allez, les gars, faut que ça revienne là. Il faut que ça revienne, sinon on est vraiment dans la merde là. Allez, c'est très bien, les gars, c'est très très bien pour nous. Sauf si mes joueurs ne reviennent pas. Arrête de te la raconter là. C'est bien, mais pas encore assez. Ouh, ces KO ne sont pas revenus lui par contre.
Alors peut-être! Allez, on va faire un one turn. Allez, on sait qui. Ouais, il faudrait juste que j'arrive au moins à récupérer l'orc. L'orc noir. L'orc costaud. Comme ça, je pourrais espérer de tenter un match nul. Parce que là, j'avoue que ça va être un petit peu complexe. Alors, 3 et 3, 6. 7, 8, 9, 10. Ouais, il a 10 contre 8. 9, pardon. Non, 8. Ah, j'ai quand même encore 2 joueurs de moins. Ouais. Pour ça, du coup, je pense quand même qu'on va peut-être aller chercher le 12e joueur, mais je sais pas si on va prendre le troll ou pas. Oh. Alors là, je suis pas convaincu. Mais je comprends ce qu'il veut faire, mais... C'est dangereux, parce que s'il perd vraiment tous ses joueurs, là, il est pas si bien que ça. Hein. Là, il l'était, mais il le sera plus, ouais. Alors, c'est intéressant pour moi, les gars, ça. Ok, let's go les gars. Allez. Le temps s'est figé. Le temps s'est figé les gars. Qui est susceptible de faire une passe? Je pense que ce serait le genre lui. Let's go les gars, on attaque. Allez, à coup de 3D, les dégoldés. Allez, ça peut d'armure ça, ça croque sous la dent. Ouais, on l'a vu, hein. On l'a vu que ça croque sous la dent. Oh, il a fait le bon choix. Y'a rien qui est passé, quoi. Mais non. Oh, c'est pas de bol. Les dégoldés sont pas faits pour taper. Allez, en moins un quand même. Oh, c'est incroyable. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont forts. Allez, allez, allez. Oui, les deux. Et lui, il n'en a qu'un. On peut le faire. On peut le faire, allez. On peut le faire, les gars, là. C'est bon. Notre équipe est revenue. Alors... Glissade contrôlée, c'est worse quand ça flash pas. Oh là là, ouais, glissade contrôlée, c'est clair. Si t'as pas blocage, t'as que glissade, mais qu'il arrive pas à flasher, c'est rigolo. Tous les skins sont accessibles. Ça mérite une agression. Ah, mais il a que 5 Saurus. Oui, c'est pour ça que je suis quand même impactant dans la game, ouais. Et je le sens. Mais là, il joue à 11 contre du coup 10. Donc, vous avez vu, j'ai bien fait de pas trop être déçu. Alors j'aurais pu, c'est vrai que lancer la peau sur lui, parce qu'en général vous avez quand même peu de chance de prendre des dégâts. Mais comme il n'arrête pas de passer les armures, j'avoue que ça m'a mis un petit peu la pression. Du coup j'ai préféré pour le moment pas trop faire le fou quoi. Je pense qu'on va lui casser la gueule quand même à son Saurus là. Il a pas gardé, non il a pas gardé. Lui, il faut qu'il marque, comme ça on va choper une compétence. Hop. Ah putain, j'étais en train de me dire où est-ce qu'il est mon dernier joueur. Oh.
Je voudrais bien démonter en fait un... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que je ne peux pas le faire. Allez, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Tu joues un petit peu dangereux, je t'avoue, mais ça devrait bien aller. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait les skins sont assez rapides et si j'ai un mauvais événement, je pourrais être dans la merde. Oh, je lui, regardez ce que je lui ai mis. Oh, le pauvre. Je comprends pourquoi il s'est fait sortir. Ah, par contre, ça c'est quand même... Non, c'est pas une garde, c'est parfait. Et la garde est là, ok, d'accord. Cool, gars. Allez, je comprends pourquoi ils se font sortir, mes joueurs. Regardez la tronche qu'il a maintenant avec son truc, là. Il voit rien. Oula. Oula. C'est parfait pour moi, ça, les gars. Let's go. Eh, dégoldé. Da-da-dun, 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 yeah. Yeah. Casse la gueule. Et il a pas fait de 1 son Croxy, hein. Nous demandons un petit 1 pour le Croxy. Croxy est demandé à l'accueil. Petit 1 de Monsieur Croxy, s'il vous plaît. Je pense que je devrais garder la garde. Parce que ça va être impactant, les gars. Je vais le mettre comme ça parce que sinon, il va me, si je le mets là, il va me rentrer dans, la, dans le lard. Et lui, on va le garder en réserve. On va le garder en réserve. C'est quand même beau les 6, les bus. Ah, mais il a que 5 Serus. Freewin alors. Ah oui, j'aimerais bien. D'ailleurs, j'ai brisé aucune armure des Saurus, ça va arriver, je le sens. Normalement, c'est vrai que je suis censé le duel, hein. Je suis censé le duel, là. C'est juste qu'on a, on a eu des mauvais jets de dés au début. Il joue chez lui, c'est pour ça les gars. Il joue sur son terrain, du coup c'est beaucoup plus dur. Alors, franchement, ça peut le faire là. Il manque juste un seul joueur. Il ne manque qu'un seul joueur, ça devrait aller. Surtout qu'à la longue, on devrait pouvoir le gratter, j'espère. Même si pour l'instant, on a du mal à ça. Il a pas fait de mauvais jet de dés, hein, le petit salaud. Et en plus, j'ai accepté les dés au sol de Nuffle. Hein. Normalement, à partir de là, Nuffle devrait être reconnaissant. Il doit dire, ah ouais, ça c'est un bon gars. Hein. Il sait quand prendre les dés au sol. Bon, j'espère que son Croxy ne va pas fonctionner, ça serait intéressant. Un petit 1 pour être, le mettre assez bien. Mal, mais bon, après là, il est bien pour le moment. Il est plutôt bien.
Je crois qu'il aurait même pas besoin de le déplacer. Ouais. Il est plutôt correct. C'est exactement ce que j'ai pensé aussi. C'est exactement ce que je pensais là. Parce que c'est pas une très bonne idée pour lui de faire ça. En plus, on va pouvoir partir tout droit du coup, hein. Il va plus pouvoir nous rattraper. Avec l'escamade, je l'aurais fait. Hein. Je serais parti direct tout droit là et c'était bye bye. Mais là, on peut pas avec cette équipe. Enfin, si je peux, mais avec des gopherites quoi. Ce serait pas recommandé. Faut que je fasse gaffe là, je crée du coup le. Il a pas cherché d'ailleurs à taper. Ah bah non, parce qu'il avait eu les deux sols, c'est vrai. À jouer les beaux gosses. Allez, briseur, même ta mur. Oh. On l'arrivera pas. Avec mes gold. Faut que je fasse gaffe, il est rapide cet enfoiré. Ah, attendez, est-ce que j'ai du mal à gérer tout ça? À cause de la vitesse. Il peut arriver jusque là. Faut que je fasse du coup très attention à plusieurs choses en fait. Faut toujours qu'ils soient collés par deux. Ah ça va pas les gars, j'ai un trou dans ma défense là. Fuck. Normalement il doit être là et là. Et ensuite là et là. Ah ouais, je crois que ça passe hein. Il est à sa bonne place en fait lui. Hein. Ouais. Normalement il est à sa bonne place. Voilà, il a foutu Blitz. Ça tu reviendras. Yes! Allez, fume-le! Oh, enfin! Oh, j'ai cru qu'on allait jamais pouvoir. Double 6! Oh là, qu'est-ce que ça donne des bons jets de dés ces mecs-là. Et il nous a quittés. Trop jeune. Il était trop jeune pour souffrir autant. C'est moi ou il y a un big trou là? Le big trou, hein, hein. Le big trou, hein, hein. Il y a un big trou, ou, ou. Il y a un big trou, ou, ou. Sauf que j'ai quand même peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ça serait fou. Hein. Ça serait fou de faire ça. Pas mal, les gars. On est revenu. On tabasse. Un joueur de moins. On a le temps. Et Ernels, tu es toujours dans l'équipe des... tu es toujours dans l'équipe des... comment ça s'appelle des elfes noirs, hein. T'es un des seuls qui a survécu, hein, parce qu'il me restait plus que 6 joueurs et tous mes joueurs ils sont tous morts. Et du coup, t'étais. Bah, vous étiez que deux blisseurs en fait, pour te dire. Et là, je crois que je suis en train de pousser pour. Bah, je sais plus, on regardera après. Pour avoir une garde avec toi. Bon, là, selon l'équipe des orques, ouais. T'as vu le terrain, il est incroyable. Hein. D'ailleurs, Lady Lafay nous a fait remarquer quelque chose. Regarde, si tu tournes comme ça, on a l'impression que c'est le plateau qui bouge. Il y a un effet un peu, tu vois, d'optique bizarre, ouais. Et tout à l'heure, c'était assez drôle parce qu'en fait, mes joueurs, ils étaient tous, tu vois, en rond, étalés comme ça sur le sol et ça faisait vraiment genre sacrifice comme ça autour du temps. Quand ça va mal, j'agresse l'arbitre pour pas me faire tuer. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ce problème la dernière fois. Et attendez, tout à l'heure on parlait de bijoux, là, mais attendez, il y a un gros bijou ici, là. Ben voilà. Là, si je pique ça, à mon avis, le troll, je l'achète, hein. Oh, il attaque avec le... Oh, l'enfoiré.
Oh, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, les gars. Oh! Qu'est-ce qu'il est violent. Je pense que ça rend fou, hein. Yes. Qu'est-ce que ça rend fou? Putain, il a été violent, son... Je crois qu'il m'a mis au moins 3 KO et 2 blessés, je crois. Ou je sais plus combien de... Blessés, je sais plus. Mais en tout cas, il m'a mis au moins 3 KO, je crois, et là, un blessé. Il a été monstrueux, son truc. T'as dommage, en plus, ça survient à un moment où on allait comeback. Et là, du coup, ça nous remet mal, du coup. Surtout que c'est risqué, parce que pour l'instant, il n'a pas fait de 1, et il a très très bien joué, son... Oh là, dommage les gars, putain, fais chier! Son truc qui revient là. Allez les gars! Ah enfin! Enfin, il veut du corps à corps! On va se battre! On va se battre! On va se battre! On va se battre, messieurs, ça y est! La guerre est déclarée. La guerre est déclarée. Donc il faut à tout prix le faire tomber. Si on le fait tomber, c'est jackpot, on va marquer. Et il nous oblige à y aller. Il faut marquer le gars. Il faut marquer, il faut flasher. Je relance, hein. Je relance si j'y arrive pas. Let's go. If I had a gold crown for every player I've seen lying on the field during my career, well, I could start my own. On va faire un go for it obligatoirement. Je pense peut-être même 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Parce que je me sens pas très bien dans la gueule. Faut aussi le forcer à nous faire un décontre dans le cul là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'hésite un peu là. Allez go. Je pense que ça devrait aller. Donc il faut faire deux go for it. Oh! 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 C'est pas mon style de jeu, mais là je suis obligé parce que je me sens. Ouh, les goldés. Les goldés. C'est goldé les gars. Ah, il peut aller me chercher bien sûr. Let's go. Let's go! Go! Let's go! Come on, guys. Ah, fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Let's go, les gars. On a tout donné, là. En haut. Ah bah, nickel. C'est compliqué, les gens. Il a, en plus, il a encore un bon croxy, là. Mais à un moment, ça va pas tout le temps fonctionner, hein. C'est pas possible. Hein. Ça peut pas tout le temps fonctionner, les gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ça peut pas tout le temps fonctionner, même si pour l'instant j'avoue qu'il fait un très très bon match notre adversaire. Et voilà quoi, ça peut pas tout le temps passer. On va voir. Pas tout le temps. Oh, il a quand même une belle opportunité là. Avec un peu de chance là, il peut vraiment vraiment me vraiment m'empêcher de marquer là. Allez les gars, pas tout le temps. Il peut pas tout le temps avoir des bons jets de dés. Mais non, il le fait. Il attaque. Le 1. Let's go.
Oh! J'avais dit les gars, pas tout le temps! Pas tout le temps! Pas tout le temps! On peut pas avoir Alors, tout le temps de la peut-être. chance! Oh! Cette action! Ah ouais, attends, il y a un moment, voilà quoi. Bon, ça règle quand même pas mon problème. Bon, au moins maintenant, on a pratiquement le match nul, je pense. Fais gaffe quand même à lui, il est rapide comme l'éclair. Oh, je me suis fait mal à la tête là. C'est qu'il doit se dire qu'il a pas de chance du coup. Bah ouais, mais franchement, il a quand même beaucoup joué avec dessus, donc à un moment, forcément, tu vois, ça. Tu peux pas tout le temps. Enfin, tu vois. Oh putain, je me suis tué la tête là. Avec mes conneries. Attendez, vérifions quand même parce qu'il peut me revenir me challenge en mode fou furieux là. Donc lui. Putain, j'ai même pas la portée, du coup, je serais obligé de. Non, il peut pas, de toute façon. Sa seule solution, c'est de faire un. Il peut pas blitzer en fait. Il est obligé d'y aller en esquive. Après, ça le remettrait dans le match, mais non. Sinon. Eux, on est bien d'accord, ils sont trop loin, ça c'est sûr. Ok. Donc je pense que c'est bon. Et l'autre sprinter, il va jusqu'à où? Non, ils sont trop loin. Ouais, je serais obligé de marquer, je pense, au tour d'après. Oh, franchement, s'il le fait, là, ce serait fou. Il faudrait, vous voyez, qu'il esquive. Ça me paraîtrait un peu fou. Ah, par contre, ce qu'il pourrait faire, c'est blitzer et le libérer pour y aller. Ce serait une très bonne idée. Putain, on fait quoi? On tente le go for it ou quoi? Au pire, le tente avec lui. Et Osef. Ouais, vas-y. Comme ça, je suis sûr de pas me faire avoir. Comme ça, je suis sûr de pas me faire avoir. Et si je rate le go for it, tant pis, les gars. Je le laisse à terre. Oh, yes, c'est bon. Attendez. Ah, lui, il pourrait quand même arriver par la droite. Ouf. Les dégoldés. C'est toujours goldé. Nice! Let's go, les gars. On a pratiquement le match nul là maintenant. Ouais, vous croyez que c'est ce qui se dit? Putain, j'ai pas de chance, merde. C'était Gang of Four, sérieux? Ouais, ça c'est bon déjà. Quel match. Le match de la galère. Ça va me faire pas mal d'or comme moi hein, pour le match d'après. Hein. On regarde jamais ce qu'on réussit, juste ce qu'on rate. Ça c'est vrai. Tu sais que c'est. Mais c'est tellement vrai ça. En fait on peut faire des. On peut faire. On peut faire 10-6 d'affilée, mais si vous ratez un go for it, c'est tout ce que vous avez retenu. Que vous avez raté le go for it. Vous n'allez jamais voir que vous avez fait 6-6 d'affilée ou 10-6 d'affilée, quoi. C'est juste le 1 que vous allez vous rappeler. C'est très drôle. Vous croyez qu'il va tenter à 2 décontre ou quoi? Il va pas tenter un 2D contre. Oh putain que si. C'est le FF. Il va FF. Attendez, on marque pas ici, hein, on est d'accord. Hein. Ah ouais, c'est derrière. Encore arriver quoi. Je vais juste me mettre devant lui pour m'assurer que. Qu'il fasse pas le fou.
Voilà, c'est comme ça qu'on les aime, les skins. Déchirés. Voilà, c'est comme ça qu'on les aime. Mort. Ah. Ok. Allez, c'est pour moi. Allez, let's go les gars. Quel match. Oh, ils l'ont mérité, mes orques, là. Eh, salut Seb. Comment on obtient les nouveaux terrains? Tu verras, t'as le Blood Pass, là. Et en fait, le Blood Pass est offert. Et donc t'as... Ah, oh, j'ai blitzé. J'ai blitzé là, j'ai raté. Ah, tu voulais que je fasse un sans le faire? Ouais, j'aurais pu. Je le sentais bien, mais bon. En fait, j'ai rien senti du coup. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Oh, non, mais c'est quoi ce Croxy? Il s'est régalé, hein. Oh, il a mangé. Regardez comment il est gros maintenant. Ouais. Non, mais il a tué toute mon équipe. Oh, il s'est régalé, hein. Oh la vache. Non, bah ouais, non, mais le Croxy là, laisse tomber, il a 200 kilos. Hein. 200 kilos parce qu'il mange, hein. Putain, il m'a grignoté tellement de monde là. Qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui. Qu'est-ce que je disais? Oui. Oui, le Blood Pass, tu verras, il est offert du coup. Faut aller foutre dans le Blood Pass, c'est offert. Et ensuite, bah, il faut gagner des matchs. Enfin, il faut gagner. Il faut juste faire des matchs en fait. Tu fais des matchs et en fait, un match normal t'apporte entre guillemets un niveau quoi. Alors bien sûr, si un mec FF dès le début, bon, ça va rien te rapporter, mais... D'ailleurs, personnellement, les FF, je les vois plus d'ailleurs. Comme quoi, vous voyez, le fait de... Pour l'XP et compagnie, vous voyez, comme quoi que ça... Vous voyez, c'est toujours dans le même idée, hein. Ce sont les mécaniques du jeu qui font que les gens, du coup, bah... la jouent pas de la même façon. Il va peut-être refaire son petit coup, là, mais ça devrait aller. Lui, il peut aller jusque là. On va back. L'autre s'il veut venir, qu'il vienne. On va essayer de gratter encore un tour. On va être prudent parce qu'il peut me la mettre. Hein. Avec lui là. Ouais, on pourrait blitzer avec qui? On refait ce coup là de blade taper un dé. Non, blitzer avec lui ça peut être cool aussi. Ouais, je sais ce qu'on va faire. Alors, et du coup la prochaine faction arrivera quand? Dans 78 jours. Elle arrivera dans 78 jours. Je sais pas combien ça fait. Ça fait quoi? Ça fait un mois, c'est 30. Donc ouais, 2 mois pratiquement. Ça arrivera dans 2 mois du coup. 30 et 30, 60. Ah non, un peu plus, pardon. J'ai plus compté. 30 et 30, 60. Donc ça fait, non, 2 mois et demi quoi. Oui, et en plus pour seulement que 10 euros, c'est tout. Franchement, c'est pas beaucoup, hein. Yes! Il n'y a plus rien qui passe, les gars, là. Plus rien qui passe chez notre adversaire, là. Il doit être deg, là. Il a envie de casser le terrain, là. On connaît la prochaine équipe? Non, malheureusement, on ne connaît pas. Moi, honnêtement, j'espère qu'on l'ait les nécros. Parce que je veux pas les morts-vivants, parce que les morts-vivants sont trop forts. Du coup, tout le monde, on va voir que ça, mais... Moi, je voudrais plus voir des nécros, ça permettrait de changer un peu. Ou des sylvains. Ouais. Ou les sylvains. Nécros et sylvains. Mais s'il vous plaît, pas les morts-vivants, s'il vous plaît. Parce que c'est une équipe trop forte, et du coup, ça va être chiant, quoi. Please! Pas les morts-vivants!
Ah oui, les Sylvains! Ouais, les Sylvains, les gars. Les Sylvains, c'est cool quand même. Hein. C'est une bonne équipe. Après, c'est juste quand il y a trop de tacs châtaigne un peu partout, ça, c'est un peu casse-couille. Mais sinon, l'équipe est cool. Putain, la vache. Vous voyez, c'est fou, hein. Pourtant, j'ai vraiment des jets de dés dégueulasses. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que tout à l'heure, il m'a fait le coup. Donc, on va peut-être se mettre dans le coin pour pas qu'il nous. Qui nous tâtonne. Oh, mais cassez-leur la gueule, c'est quoi votre problème? Putain, on le fait, les gars, on le fait! Alors, à moins qu'il vienne me chercher, non, il peut pas. Et le terrain des lézards est magnifique. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même beau. C'est juste qu'il faut un temps d'adaptation, parce que du début, on a du mal à. En fait, les points de repère sont différents. Moi, ce que je reproche quand même, c'est que ils auraient peut-être dû mettre une grosse touffe d'herbe un petit peu plus au centre. Pour qu'on comprenne, vous voyez, où est-ce que parce que même au début, là, par exemple, je ne savais pas trop où est-ce qu'il était la zone d'embut. Je sais pas si elle était là, ou là, ou là. En fait, c'est ça, là. Bon, après, c'est juste un petit temps d'adaptation, sinon ça va, en fait. Mais c'est vrai que, ouais. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, sur les terrains trop blancs, je sais pas s'ils peuvent aussi mettre, vous voyez, une... Merde, j'ai complètement oublié, eux. Il aurait pu me sortir. Je pensais qu'il devrait mettre, vous savez, des fois les contours sont blancs, les contours genre comme ça là. Il devrait mettre peut-être noir quand le terrain est trop éclairé, comme là. Et ça va être pareil à mon avis pour les dalles impériales là, c'est la même chose. Le terrain granit, c'est la même chose, c'est trop blanc et du coup, peut-être mettre, vous voyez, pour un peu mieux comprendre sur le terrain. Par exemple, quand vous lancez le ballon, vous savez pas trop en fait où est-ce que vous le lancez quoi. Mais non! C'est un super match les gens, on s'en sort bien là, alors qu'on s'est fait mais casser la gueule. On s'est fait casser la gueule les gens. Ah oui, des pitrires. Ah oui. Attends là. T'as dit quoi sur moi là? T'as dit quoi sur moi là? Hein? T'as dit quoi sur moi là? Je te casse la gueule! Ah, regardez, ils sont derrière là. En train de se rembrouiller. Pendant que nous on marque. Ah, il est récent. Attention. Je crois qu'il peut encore. Faire le one turn, non? C'est chaud. Allez, let's go les gars. J'espère que ça va pas... Il y aura pas de temps qui... Est-ce que ça me ferait bien chier? Je suis content de cette victoire, donc j'espère que ça va rester comme ça. Ouais, des petites rivières. Dommage qu'il y a deux flaques de sang en dehors du disque. Oui, c'est vrai. Ouais. On voit bien que les sacrifices ont été faits que ici, que sur le centre du terrain, les gars. Et là, d'un coup, il va y avoir un truc qui va apparaître. Et chouette, quand même. C'est juste que les gradins, par contre, ça fait... C'est bizarre. Hein. Y a pas trop le choix, mais les gradins, ça fait un peu bizarre, quoi. Oh, il a même pas cherché. Il a même pas cherché. Putain, c'est bien battu, les gens. Une victoire pour les Wyvern des Badlands. On a gagné. Oh, il l'a eu sur le croc ici, les gens. C'est-à-dire que là, il a son blocage, ouais. Oh, l'enfoiré. Il a eu son blocage sur juste une game. Enfin, en fait, il était à 6, je crois, non? Il m'a... Attendez, on va regarder les PSP. Oh, il a croqué, hein. Oh, regardez, il a pris 8 d'XP dans ce match. Comment ça me fait rêver? Oh là là, il a croqué, hein. Il m'a dégommé 2 joueurs. Et il a eu le mec. Putain, c'est fou. Alors que nous, vous allez voir des fois qu'on va... Moi j'ai pris une garde parce que je me suis dit, ça va jamais passer. Et lui, il l'a eu en 2 matchs, quoi. Ah, ça me tue. Franchement, ça me tue. Hein. Allez, on va regarder les récompenses qu'on a gagnées.
Alors, on a gagné le petit bandeau. Parfait. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive? Ah, regardez, ça, il y aura la première tribune, ça va être cool quand on va l'avoir. Bon, ça change pas grand-chose, mais ce sera marrant d'avoir une tribune différente. Oh! Ah non, mais par contre, mes dégoldés, je les aime tellement que c'est mort. Hein. Si, on va quand même les jouer après, parce que c'est drôle, mais... Les dégoldés. Alors, on va regarder, du coup, l'équipe des Badlands. Qui a du coup peu de TV. Alors les gars, le problème d'avoir peu de TV, c'est qu'après vous allez avoir des gros problèmes pour chercher des gens. On a remarqué que c'était un vrai problème ça. Ça c'est cool là, regardez. J'avoue que la garde c'est bien utile, mais j'aimerais bien peut-être commencer à attaquer la châtaigne. Ah je sais pas, c'est vrai que les gardes c'est quand même mieux. Je pense que c'est mieux de non. Il faut mieux prendre les tueurs après parce que de toute façon. En fait on est dans l'optique en fait de farmer donc. Il faut mieux prendre, je pense, les châtaignes après, parce que sinon, vous allez par réflexe tout le temps blitzer avec eux, et forcément, bah, les autres ne prennent plus rien, quoi. Donc, on va plutôt mettre encore une garde, et ensuite, on va commencer à opérer. Voilà, belle équipe. Ouais, puis on n'a pas beaucoup d'argent quand même, hein. C'est parfait, ça lui fait une blessure de guerre, c'est trop stylé. Par contre, on va pas en faire le porteur du coup, celui-là. Parce que on va quand même garder l'option de 4+ avec le porteur, on sait jamais. Sur un malentendu, il faut aller faire une passe. Alors, non, mais le contresens des terrains, c'est que les supporters sont censés être à la limite. Alors que là, ils sont dans les gradins, ils font comment pour taper ceux qui sont sortis sur le terrain? La magie, c'est la magie. Bon bah, hein, je suis toujours pas argent, voilà. Ta faute. Après, j'ai un deuxième service booker. Bah Nolo, tu vas faire une gamme ou pas? Parce que là, au pire, j'aimerais bien manger, mais en même temps, ce qu'on pourrait faire, c'est que pendant que je mange, et bah, en même temps, j'essaie de commenter de temps en temps dès que je repasse sur l'écran. Et comme ça, on stream pour les gens. Non, trop tard, ok. Ah, toujours pas argent, ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, vous êtes sur un stream d'argent, là. Regardez les gens. Vous êtes sur un stream d'argent, là. Incroyable, et oui, votre streamer est argent. Incroyable.